validé par l'ensemble des différents partenaires qui sont cités sur cette diapositive. C'est un financement à hauteur, donc on est d'abord, pardonnez-moi, sur une opération d'un coût total de 115 millions d'euros, toutes taxes comprises, avec comme clé de répartition 50% du financement assuré par l'État, la métropole du Grand Paris, qui est un acteur de la GEMAPI, intervient à hauteur de 30% du financement et les 20% restants étant à la charge de l'EPTB Seine-Grand-Lac, qui dans le cas d'espèce est donc maître d'ouvrage du projet. Et de manière, j'allais dire, plus marginale, en tout cas sous des formes qui ne sont pas directement liées au projet lui-même, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la région Île-de-France et le conseil départemental de Seine-et-Marne sont potentiellement des partenaires sur la dimension écologique du projet et donc n'interviennent pas à proprement parler sur le projet lui-même mais sur toutes les connexions et plus particulièrement la dimension environnementale et écologique.